Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Drôle d'endroit pour une rencontre. Drôle d'endroit qui s'installe cette semaine en plein cœur de Paris, dans le quartier historique du Marais. Bienvenue dans les Archives nationales de France, des salles interdites au public, mais qui ont été exceptionnellement ouvertes pour notre invité. Il est journaliste, écrivain, il secoue les consciences dans son pays, l'Algérie, et bien au-delà. Kamel Daoud nous rejoindra dans quelques minutes. La Méditerranée, j'aimerais bien qu'on la restaure. C'est un fantasme, je sais, mais c'est une belle croyance. Qu'on restaure la mer. Qu'on restaure la mer. Moi, j'y crois. Enfin, je voudrais rêver sur ça. Et sa rencontre, la rencontre de Kamel Daoud, ce sera avec l'historien et professeur au Collège de France, Patrick Boucheron. Il a dirigé une somme monumentale devenue un best-seller, l'histoire mondiale de la France. Ce sera tout à l'heure. Ce que nous avons voulu faire avec cette histoire mondiale de la France, c'est sortir de cette période d'exaspération où, au fond, on jouait l'histoire de France contre l'histoire du monde. Comme si on s'intéressait à autre chose que la France, c'est parce qu'on l'aimait pas assez. Mais comme chaque semaine est pour démarrer, qui est Kamel Daoud? La réponse de Bruno Donnet. Alors, avant de faire plus ample connaissance avec notre invité de ce soir, remettons, si vous le voulez bien, les choses à l'endroit. Car si vous ne connaissez Kamel Daoud que sous son profil de pamphlétaire algérien, d'empêcheur de bouteflikés en rond, vous vous trompez lourdement. Chroniqueur, écrivain, notre homme est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. J'essaie d'échapper au casting de l'intellectuel dissident militant. Au point qu'il cultive depuis toujours une somme vertigineuse de paradoxes qui vont de A comme Algérie à Z comme journaliste. Je pense que vous avez besoin du dictionnaire. Jugé plus tôt, élevé par des grands-parents analphabètes, le jeune Kamel a appris à lire le français seul. On ramassait parfois les livres dans le village, on disait « il faut le donner à Kamel parce que de toute façon c'est quelqu'un qui les lit ». Aujourd'hui considéré comme l'un des intellectuels les plus influents du monde arabe, il est régulièrement invité à donner des conférences dans le monde entier, mais il est mal à l'aise avec les codes. Je m'excuse de ne pas prendre la tribune. Ça me rappelle trop le parti unique et ça me rappelle trop les dictatures. Allergique aux tribunes donc, ce sont pourtant celles qu'il a publiées pendant près de 20 ans dans le quotidien d'Oran qui l'ont rendu célèbre essentiellement à cause de la grande liberté avec laquelle il s'est toujours courageusement opposé au régime de l'indéboulonnable Abdelaziz Bouteflika. Vous êtes comme les tyrans arabes ou pas, un jour vous serez lynché, mort, malade ou vif. Imperméable à la censure qui s'abat régulièrement sur la presse algérienne, il accepte néanmoins de composer finement, stratégiquement, en pratiquant ce qu'il appelle l'autocensure négociée. C'est-à-dire qu'il m'arrive de reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que je traite certains sujets, je recule sur d'autres. Adepte de l'écriture rapide que réclament les chroniques, c'est pourtant l'écriture lente, celle d'un roman, qui lui a permis d'accéder à la très large notoriété de remporter le prix Goncourt du premier roman et de passer à deux voix du prix Goncourt tout court. Le prix Goncourt 2014 a été attribué à Lydie Salvert par 6 voix contre 4 à Kamel Daoud. Au rang des paradoxes, on notera encore que si ce gros succès lui a mené une grosse couverture médiatique, il lui a également causé un grand malheur, puisqu'un passage dans l'émission de Laurent Ruquier, au cours duquel il n'a pas hésité à dénoncer l'influence préoccupante des fondamentalistes musulmans dans le monde arabe, lui a valu une fatwa. Abdel Fattah Zirawi, qui dirige le front de l'éveil islamique, a appelé les autorités algériennes mardi sur sa page Facebook à condamner à mort Kamel Daoud. Profondeur d'intégriste, Kamel Daoud les a pourtant brièvement côtoyés à l'époque à laquelle, adolescent, il participait à leur camp de vacances essentiellement pour cause de grands désœuvrements. Je pense que le principal mal algérien, c'est l'ennui. En janvier 2016 et juste après la série de viols qui avait endeuillé les fêtes du Nouvel An de Cologne en Allemagne. Cette jeune fille était sur place avec une amie. Elle explique avoir été encerclée par plusieurs hommes et agressée sexuellement. Kamel Daoud publie dans les colonnes du Monde une analyse retentissante dans laquelle il attribue à l'islamisme le rapport malade de certains hommes à la femme, au corps et au désir. On a l'impression que le corps de la femme appartient à tout le monde sauf à la femme. Seulement voilà, suite à cet article, une vingtaine d'historiens, de sociologues et d'anthropologues l'accusent d'islamophobie. Ce que j'ai écrit, je m'en excuserai le jour où les femmes seront libres, respectées, heureuses, c'est moi.
Et alors que le journaliste s'était montré très peu ému par la fatwa des salafistes, on a tué plus de touristes que d'écrivains pour le moment. Il vit très mal la condamnation des intellectuels et décide d'arrêter le journalisme. Je trouve quand même assez osé qu'on m'interdise de parler de ce que je vis à partir du point où je vis. Enfin, et pour en terminer avec les paradoxes, il faut ajouter que celui qui est l'un des plus féroces observateurs de son pays n'a rigoureusement jamais envisagé de le quitter. Il faut avoir beaucoup de courage pour partir, moi je ne l'ai pas. Nous profitons donc ce soir d'un de ses passages en France pour l'interroger et feuilleter avec lui une partie de nos archives. Exactement. Excusez-nous beaucoup. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Ravi de vous rencontrer et ravi de vous recevoir dans cet endroit magnifique, les Archives Nationales. C'est un lieu que vous rêviez de visiter seul ? Oui, effectivement, oui. Sans nous ? Sans vous, mais j'en suis désolé, mais j'aime bien cette idée de découvrir seul, de me perdre un petit peu dans le labyrinthe, de découvrir, de tâter aussi, de toucher. Sans les policiers aussi qui vous accompagnent et qui assurent votre protection ? Les policiers, bon, c'est un détail, mais bon. C'est un détail. Et de toute façon, c'est vrai qu'ils sont extrêmement discrets. C'est ici un lieu chargé de sens, un lieu chargé de mémoire. C'est pour vous, quoi, vivre écrasé sous le poids du passé d'être ici ou c'est au contraire un témoignage de quelque chose d'important qui constitue une nation ? Moi, je ne me sens pas écrasé. Au contraire, c'est exaltant pour moi. Algérien qui n'a pas accès aux archives de son propre pays. Donc là, je cherche un autre mot qu'impressionné, mais je n'en trouve pas. On va déambuler dans ces archives nationales. Vous avez publié Mes Indépendances, c'est un recueil important sur lequel on va revenir. Plus de 180 de vos chroniques dans le quotidien d'Oran. C'est une certaine manière d'archiver aussi votre travail, d'archiver aussi un état de votre perception de l'Algérie moderne. Dans le Maghreb, en règle générale, et dans le monde dit arabe, les champs éditoriaux ne sont pas vastes, c'est-à-dire où peut-on réfléchir la mort, la sexualité, le philosophique, oui, etc. Donc, mis à part la chronique, il n'y a pas de champs éditoriaux, des espaces publics accessibles à la réflexion, ouverts à la réflexion. Donc la chronique, c'était un petit peu vraiment la chapelle ardente du journalisme et de l'exercice des convictions. Elle est ardente et il y a une forme d'urgence et il y a une volonté de saisir le présent dans vos chroniques. On va y revenir tout à l'heure. Il y a ici quelques documents absolument exceptionnels que j'avais envie de vous montrer, sur lesquels on va réfléchir, donc j'espère qu'ils vont vous inspirer. On va continuer notre pérégrination, notre promenade dans ces archives nationales. Kamel Daoud. Ah bah, avec plaisir. Ce qui est frappant, c'est qu'on ne sait pas comment c'est rangé. Il doit y avoir une science pour retrouver les documents. Je pense que l'idée de l'archive est née aussi avec l'idée de l'ordre, ouais, c'est-à-dire ordonner. La classification. Classifier, ordonner, lutter contre le monde sauvage. C'est faire passer l'écrit de la jungle aux eaux. Oui. On arrive, Kamel Daoud, dans ce qu'on appelle la salle du trésor des chartes. C'est ici que se trouve l'armoire de fer qui est derrière ces portes-là, ces portes à double battant. C'est là que tous les documents les plus précieux de la République sont conservés. D'accord. Et elle est évidemment fermée à double tour, mais il y a quelques-uns des trésors qu'on peut voir ici exposés qui sont là pour nous. J'aimerais vous les montrer. On va démarrer avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette déclaration où les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, déclarent les droits inaliénables et sacrés de l'homme ? J'aimerais le vivre comme quelque chose vers laquelle on tend. Ce n'est pas uniquement un texte, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans la vision du futur, dans l'esprit des lois que j'aimerais défendre, que j'aimerais vivre et que j'aimerais construire un petit peu dans mon propre pays. Donc c'est quelque chose de fondamental. Je n'aime pas qu'on moque ce texte, il est important. Vous, votre liberté de journaliste, de chroniqueur, comme d'autres de votre génération, on ne vous l'a pas donnée ? Non, je n'aime pas cette attitude qui... Enfin, souvent, on me pose la question, oui, mais Kamel Daoud, vous exercez un droit de liberté. On ne me l'a pas donné. La liberté, ça se défend. La tendance naturelle... Ça se conquiert. Bien sûr. La tendance naturelle, c'est qu'on vous en prive de la liberté, parce que vous dérangez, parce que vous affirmez quelque chose, vous êtes vivant, vous êtes mortel. Donc la liberté ne s'offre pas. En Algérie, par exemple, ou même au Maghreb, dans les autres pays, on me dit, mais comment vous avez osé écrire ça ? Oui. Mais parce que personne n'a essayé de le faire. Mais parce qu'il faut du courage, Kamel Daoud. Je ne comprends pas pourquoi c'est à moi de baisser les yeux devant quelqu'un d'autre. Ça, je ne le comprends pas, je ne l'admets pas. Parce qu'il possède la vérité, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est blanc, parce qu'il est rose, parce qu'il est plus riche, je ne comprends pas. Parce qu'il a une longue barbe ? Oui, on est tous égaux par la mort. Ça, c'est du vrai socialisme. Le cimetière, c'est du vrai socialisme. Donc autant exercer un petit peu le reste de son vivant.
Kamel Daoud, on va voir un autre texte extrêmement important qui est constitutif de la République française, c'est la loi de 1882 sur l'instruction publique, sur l'enseignement obligatoire, ce qu'on appelle les lois Ferry, à savoir instruction obligatoire, enseignement public laïque, école gratuite. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est tout l'enjeu de l'avenir. En Algérie ou ailleurs dans le monde dit arabe, l'enjeu c'est l'école. C'est là où les islamistes essayent d'avoir du pouvoir, d'avoir mainmise. Parce que l'enjeu, il est là. Il ne s'agit pas de faire élire un islamiste maintenant, mais c'est de le fabriquer pour l'avenir. Parce qu'on ne naît pas islamiste, on le devient. Et on le devient parce qu'il y a des institutions qui le forment. Et pour le moment, l'enjeu de l'école est énorme dans nos géographies. Et je pense même ici en France et en Occident. Vous êtes né dans un petit village. Chez vous, il y avait peu de livres. Et pourtant, vous avez lu beaucoup dans votre enfance. J'ai lu ce que je pouvais trouver, c'est-à-dire des livres à moitié déchirés, des livres sans couverture, des livres qui n'avaient pas de nom d'auteur, j'ai découvert les noms par la suite, des livres dans le désordre, c'est-à-dire tome 2 à 11 ans, tome 3 à 17 ans, tome 1 à 24 ans. J'ai lu des manuels de machines invraisemblables. Des manuels de machines. Exactement, des anciens manuels scolaires, enfin tout ce que je pouvais. L'écrit était en soi important pour moi, et ce qui était horrible, c'est la fin des livres. Je suis un grand relecteur aussi. Je relis beaucoup. Vous n'aimez pas la fin des livres ? Non, parce que là, vous arrivez à la fin du livre, c'est la page 300. Et après, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de film, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien. Donc je relis. Oui. Je reprends à zéro. Troisième texte, c'est encore une fois une pierre angulaire de la République française, c'est la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est l'invention de ce qu'on appelle la laïcité à la française. Et vous avez une chronique absolument formidable, vous dites qu'il faut être laïque pour sauver la religion. Cette loi, c'est un sujet, c'est un objet de réflexion pour moi depuis quelques années, parce que je me pose la question, comment peut-on séparer l'Église de l'État quand on a la mosquée au milieu maintenant? Oui. Comment on peut le faire sans empiéter sur les droits d'autrui, les droits d'avoir une croyance, de défendre une confession? Donc comment peut-on être laïque? Mais en même temps, peut-on être laïque? Mais vous dites que les religieux les plus sincères devraient être les plus ardents défenseurs de la laïcité. Je soutiens cette idée parce que une religion, c'est quoi finalement? C'est un choix d'aller rencontrer, de croire avoir trouvé un Dieu. Donc, oui. On n'est pas obligé de passer par les urnes. C'est-à-dire, dès que le projet religieux est mêlé au projet politique, ça veut dire qu'il devient un projet politique. C'est-à-dire, on utilise la religion pour accéder au pouvoir. Ça veut dire que la religion, elle devient un prétexte et elle y perd. La religion, je pense, c'est un choix intime. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui se proclame de Dieu a besoin de ma voix et a besoin de me dominer, je veux dire. La religion, c'est une vocation. Donc, le mieux pour la préserver, c'est de la préserver du politique. Pourquoi est-ce que la laïcité a mauvaise presse en Algérie et ailleurs dans le monde arabe ? Le mot laïcité dans le monde dit arabe a été peu à peu confondu avec le mot athée, c'est-à-dire anti-religieux et plus spécifiquement anti-musulman. Donc on se retrouve, disons, en procès d'inquisition, dès que vous dites « je suis laïque », ça veut dire que vous êtes athée et ça veut dire que vous êtes anti-musulman, alors que moi je voudrais revenir à cette idée que quand je me dis laïque, c'est justement pour préserver l'État, mais pour préserver cette religion-là. On va continuer à parler de votre œuvre et de votre parcours, Kamel Daoud, de vos indépendances. Mais avant cela, les Archives nationales, histoire d'un drôle d'endroit. C'est signé Alexandre Guetta. Notre drôle d'endroit cette semaine est un lieu qui n'oublie rien. Depuis plus de 200 ans, la mémoire de notre histoire se trouve entre ses murs. Les Archives nationales de Paris, c'est d'abord un hôtel particulier. Au départ, c'est une ancienne résidence du Moyen-Âge. 1700, le prince de Soubise décide d'en faire sa résidence principale qu'il compte rénover et agrandir. Rien n'est trop beau pour épater la bourgeoisie parisienne de l'époque. D'abord, avec cette cour d'honneur, 62 mètres du perron au portail, l'une des plus longues de Paris. À l'intérieur, pas encore d'archives, mais des chambres et des salons dans un pur style rocaille. L'hôtel de Soubise impressionne déjà par sa démesure. Les Archives nationales de Paris, ce sont aussi des trésors. 1808, l'hôtel est confisqué par Napoléon Ier. C'est ici qu'il décide de rassembler toutes les archives nationales. Le bâtiment est agrandi au milieu du 19e siècle et depuis, les documents s'accumulent. 131 000 cartons, 300 km de rayonnage. Mais l'endroit le plus secret, le voici.
Dans cette imposante armoire de fer fermée à double tour, on trouve entre autres le testament de Louis XIV ou le fameux carnet de Louis XVI. À la date du 14 juillet 1789, le roi a écrit rien. Autre trésor, le kilogramme étalon originel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou encore ces papyrus qui datent du 7e siècle. À ce jour, les plus anciens documents conservés ici. Les archives nationales, c'est un peu comme une promenade à travers l'histoire de France et ses secrets les mieux gardés. Kamel Daoud, je vous ai présenté comme journaliste algérien, comme écrivain algérien, mais au fond, vous êtes un écrivain japonais. Je suis écrivain, pourquoi il faut avoir une nationalité quand on... Parce que c'est vous régulièrement qui dites « mais j'aimerais être japonais ». Bah, pas uniquement moi, je veux dire, quand on écrit, on s'adresse... Le roman n'est jamais vendu avec un passeport à côté, je veux dire. Donc quand on écrit, on s'adresse à l'humain, on ne s'adresse pas à une nationalité. Les romans nationaux, entre guillemets, n'ont jamais été une réussite. Oui. C'est des tracts. C'est des tracts, mais c'est vous qui dites que parler en France pour un Algérien, on vous remercie d'ailleurs d'avoir fait le voyage, mais parler en France pour un Algérien, ça équivaut à tirer un continent avec ses dents. Toute prise de parole d'un Algérien comme moi en France, pour un francophone, avec des positions très, très fortes et très intenses, très passionnées aussi, c'est surinterprété. Vous savez, quand je fais de la télé en France, je ne crains pas les spectateurs ou les téléspectateurs français. Les Algériens, de l'autre côté, surveillent comment je suis habillé, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire. Oui, qu'est-ce que vous auriez dû dire, ça c'est important. Qu'est-ce que j'aurais dû représenter, etc. Donc, à la limite, on vous délègue une sorte de mission, alors que moi, je viens en quelqu'un de touriste ou quelqu'un qui a envie de parler de lui-même, de ce qu'il croit. On vous a proposé de vous exiler en France? Pas uniquement en France, mais un peu partout dans le monde. Je peux m'exiler aussi. Donc. Pour vous réfugier, vous n'avez jamais voulu quitter l'Algérie? Il faut beaucoup de courage pour s'exiler, pour partir. Je n'ai pas le courage de m'exiler pour le moment, et j'espère que ça n'arrivera pas. Enfin, c'est vraiment une hantise pour moi. Un exilé écrit sur l'exil. Moi, j'ai envie d'écrire sur le monde. Il y a quelque chose d'assez curieux. Quand on vous écoute, quand on vous lit, on a l'impression que tout est lourd, même l'humour. Il y a une forme de gravité. En Algérie, vous venez au monde endetté. Vous êtes là, vous êtes né en 70, par exemple, et tout ce que vous... Tous vos droits, à la limite, sont quelque chose que d'autres ont payé à votre place. Et on vous le dit, si vous avez l'école, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts pour vous. Si vous avez des chaussures, il y a des gens qui sont morts pour vous. Si vous avez le plafond et l'eau au robinet, il y a des gens qui sont morts pour vous. Et vous vivez avec quelque chose qui est très lourd. Et quand vous arrivez et vous dites « j'ai envie de vivre », et là, vous êtes dans la trahison, vous êtes dans l'insolence, vous êtes dans la dissidence aussi. Vous dites que j'ai envie de vivre et il y a des gens qui sont morts pour que je vive, oui. Pas pour que je meure comme eux. Le mot trahison est important. Ce serait les trahir. Trahir, c'est une obsession passionnelle et intellectuelle en Algérie, c'est-à-dire la figure du traître du Judas. C'est-à-dire, dès que vous n'êtes pas dans l'unanimité et l'unanimisme, vous êtes un traître, vous êtes pro-français parce que vous écrivez en français. Oui. Donc cette figure du traître, elle est là, on l'a construite, on en a besoin. Elle est aussi fondatrice pour la religion nationale, enfin la religion, je veux dire, la propagande nationale, que la figure du Judas pour le christianisme. Donc elle est fondatrice. Et il y a aussi quelque chose d'assez frappant. Dans vos livres et dans vos chroniques, vous dites que vous n'avez jamais été aussi libre que dans les années 90, dans les années de sang en Algérie, qu'il y avait un goût pour le plaisir, pour la sensualité, pour l'alcool, pour... Vous savez, c'est quand le corps est menacé qu'il explose, qu'il devient quelque chose de central. Vous ne l'oubliez pas. La paix fait oublier quelque part le corps. La guerre, vous vous en souvenez, parce que vous tuez ou vous vivez. Donc on est réduit vraiment à l'essentiel. Et donc c'est une période assez fascinante dans ma vie. J'étais jeune, beaucoup plus naïf que maintenant, donc beaucoup plus passionné, dans une sorte de licence, d'excès, de dépense du temps, et en même temps d'enjeu de la mort et de la vie. J'ai découvert le journalisme par le cadavre. C'est-à-dire pas le cadavre du mort. Racontez-nous, le premier reportage que vous avez fait. J'en ai fait beaucoup, mais disons, celui qui m'a le plus marqué, c'était fin des années 90. Je pense que c'est le plus grand massacre en Algérie, c'est à Hatsukala, du côté de Relizane. Et c'est une expérience assez traumatisante. Parce que vous entrez dans ce village, vous êtes le premier ou le premier journaliste? J'étais avec un journaliste, enfin un photographe de Reuters à l'époque, si je me souviens bien, et donc c'était quelque chose d'horrible. Mais en même temps, j'ai découvert cette mécanique du déni. En soi et chez les autres. Les gens ne veulent pas. Vous revenez, vous dites, il y a 1000 morts. Et personne ne vous croit.
Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, vous vous retrouvez dans une sorte de colère, de détestation de votre monde tout autour. Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette horreur-là. Il aura fallu 10 ans pour que les autorités algériennes reconnaissent le nombre de morts. Exactement. Exactement. Ils ont minimisé au maximum. La justification, l'explication d'époque, c'était qu'il ne fallait pas créer un effet de choc trop grand à l'époque. Mais c'était quelque chose aussi de traumatisant pour tous les journalistes en Algérie. Vous savez, l'enjeu du chiffre des morts était un enjeu majeur durant 10 ans de guerre. C'est-à-dire, il y avait le chiffre, le bilan officiel, le bilan qu'on obtenait, par exemple, auprès de la morgue, oui. sur les vrais morts. Il fallait trouver le chiffre médian. C'est-à-dire, si c'était 200 morts déclarés 47, nous, on va dire des dizaines de morts. Il y a une question très forte que vous posez dans l'une de vos chroniques. Peut-on être heureux en Algérie ? C'est une phrase qui est assez curieuse, assez surprenante quand on la lit. En Algérie, on a bâti l'idée qui n'est pas valable pour le futur, c'est d'être indépendant. D'accord, mais pourquoi ? Et je me pose la question, c'est celle du bonheur finalement. Et quand vous mettez au centre de votre réflexion le bonheur, là, vous provoquez un discours de réaction de la part des religieux, parce que il sursoit au bonheur après la mort, oui. et face aux décolonisateurs. Parce que moi, je fais la part des choses, il y a les colons, il y a les décolonisés, il y a les décolonisateurs qui sont au milieu, oui. qui les ont chassés pour les remplacer. Donc, et là, ils vous disent, non, le but était d'être libre. D'accord, mais moi, je suis libre, j'ai envie d'exercer cette liberté, c'est-à-dire d'embrasser, de tenir une main, de regarder un film, de planter un arbre, de nager, etc. Et là, vous remarquez que le bonheur, c'est quelque chose qui est interdit, qui n'est pas supposé dans la vie d'une nation. Et c'est extraordinaire. Mais pourquoi ? Ça sert à quoi d'être algérien si je ne suis pas heureux ? Oui. C'est pour avoir un drapeau, un puits de pétrole, et un visa de 5 ans et un peu d'argent en banque. Ça ne me suffit pas. Même quand vous racontez la plage, qui est un lieu par excellence, qui est un lieu de bonheur, la plage n'est pas heureuse en Algérie. Quand vous décrivez les corps, c'est bientôt l'été, les gens vont aller à la mer, mais les corps qui se dénudent racontent encore quelque chose de politique. Pas uniquement politique, idéologique, de propagande. La plage, je pense que c'est l'enjeu du XXe siècle. C'est dans la plage qu'on tue le touriste. C'est dans la plage que se pose la question du bikini ou du burkini. Burkini, oui. C'est dans la plage que Meursault a tué l'arabe, enfin sur la plage. Oui. La plage est le lieu de rencontre entre Vendredi et Robinson Crusoe, et c'est le lieu inaugural. Mais en même temps, pour les religieux conservateurs de tous bords, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'intégriste universel, la place est le lieu où se pose le corps nu, c'est-à-dire où s'arrête le temple, l'uniforme, la kippa ou la barbe ou le burkini, etc. Et on est confronté à la seule éternité qui nous soit accessible, la mer. Et là, vous êtes sans Dieu, sans loi, sans tablette. Vous êtes là et vous devez choisir soit revenir et vous cacher, soit nager, accepter le monde. Moi, je trouve que l'enjeu est immense. Et je vois le malaise de beaucoup d'Algériens, mais pas uniquement Algériens, face à la mer. En même temps, c'est une image de contraste. Chez vous, le touriste en France ou en Occident va pour quitter un pays. On va à la plage parce que c'est une ouverture vers le monde. La mer est une ouverture. De l'autre côté, c'est un mur. C'est un mur de lamentation. La Méditerranée est un mur en Algérie. De l'autre côté, c'est un mur. C'est-à-dire c'est là où commence la possibilité d'un pays, d'un autre pays. Alors que pour le touriste, le nudiste, c'est là où je me débarrasse du pays pour retrouver mon corps. Et la Méditerranée, j'aimerais bien qu'on la restaure. C'est un fantasme, je sais, mais c'est une belle croyance. Qu'on restaure la mer. Qu'on restaure la mer. Moi, j'y crois. Enfin, je voudrais rêver sur ça. C'est-à-dire un lieu où on se débarrasse de la gravité, de l'uniforme, du temple, de la croyance, du parti. Et on va vers la mer. Il y a des choses plus étonnantes dans vos réflexions. Il y a des moments que j'adore dans vos chroniques qui sont consacrés aux selfies. D'accord. Un truc que j'adore, c'est pour vous, la fin du monde, c'est un bâton de selfie. Pourquoi ? Parce que c'est extraordinaire. Vous savez, le monde est taxidermisé, c'est-à-dire il est empaillé. Oui. Le monde n'est plus intéressant. On n'y est plus comme pèlerin ou comme voyageur, mais c'est un arrière-plan informatique. C'est-à-dire vraiment un fond de bureau, un fond d'écran, cherchez le mot. Donc c'est vraiment... Et là, il n'est pas dans le désir de rencontrer autrui. C'est-à-dire, vous pouvez me prendre en photo, vous dites en anglais, en japonais, en arabe. Mais là, le gars, il arrive, il prend un selfie, il rentre chez lui. Vous n'existez pas. Vous êtes un personnage absolument secondaire dans son univers. Et le monde n'est plus un texte qu'il lit, mais c'est un prétexte pour qu'il prenne une pause. C'est une affreuse solitude qui se dessine. Une affreuse solitude, le selfie. Je le crois.
Il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que vous racontez ce problème qui n'arrive pas à être tranché. Quand on va à la Mecque, par exemple, et qu'on prend un selfie, est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est illicite ? Est-ce que le selfie à la Mecque est halal ou haram ? Est-ce qu'on a le licite droit, ou illicite ? Est-ce qu'on a le droit de prendre une photo avec Dieu qui est par essence invisible ? Oui. Donc, est-ce qu'on est là-bas pour le spectacle ou justement pour oublier son corps ? Est-ce qu'on peut mettre en scène une croyance ou un pèlerinage ? En Arabie Saoudite, ils sont interrogés, il y a une fatwa pour dire, je crois, qu'il est illicite de fabriquer des bonhommes de neige. Ça peut faire rigoler vu de dehors, mais de l'intérieur, c'est quelque chose de fascinant, je veux dire. La pensée théologique absurde est fascinante. Mais ça vous fait rire quand même un petit peu. Ben oui, c'est valable aussi quand vous voyez, par exemple, les juifs ultra-orthodoxes qui s'enveloppent de plastique pour prendre l'avion, pour ne pas prendre, enfin, ne pas toucher quelque chose d'autre. Quand on voit le catholique qui faisait de même à l'époque, qui se flagelle pour se punir de quelque chose qu'il a commis au nom d'une... Les croyances peuvent mener à l'absurde, oui. Au nom du sens, alors que l'absurde peut mener au sens, justement au nom de la réflexion. Vous avez prononcé le mot absurde. D'accord. Pour l'amoureux de Camus. Oui, mais pas uniquement. Pourquoi Camus ? Camus fait partie de l'histoire algérienne, il fait partie de l'histoire de ma généalogie d'écrivains qui m'ont marqué. C'était aussi une rencontre qui m'avait beaucoup libéré. Le mythe de Sisyphe et l'homme révolté ont été essentiels dans mon parcours pour sortir d'une philosophie vers une autre. C'était vraiment des béquilles dans ma démarche pour pouvoir me libérer, me désaliéner. J'aime pas le mot, mais bon, il s'impose. Et puis Camus, c'est quand même le premier sans-papier algéro-français. Oui, c'est vrai. Ça, c'est assez fascinant. Je veux dire, né algérien, mort français, attaqué par les deux, réclamé aussi par les deux. Aujourd'hui, réclamé par les deux. Tout le monde veut son Camus à lui, etc. On lui fait dire... C'est assez fascinant. Et c'est pour ça que la pensée, la vision camusienne se perpétue. Elle est toujours là, elle est d'actualité, alors que la pensée d'autrui est archivée. On est ici aux Archives nationales avec des manuscrits, avec des textes anciens. Vous avez vécu une émotion extrêmement forte devant un manuscrit de Camus aux États-Unis, à Yale. Ça, c'était extraordinaire. C'est vrai que la chef de département, Alice Kaplan, qui a écrit un très bel ouvrage sur l'étranger, une sorte d'enquête sur l'écriture de l'étranger, et qui m'avait permis de feuilleter le manuscrit du mythe de Sisyphe. C'était une expérience marquante. Pourquoi ? On découvre que Camus rature énormément. Oui. La rature chez Camus, c'est vraiment le revers de la médaille. C'est-à-dire, on a à l'abouti un style magnifique, limpide très extrêmement mathématique simple. À la limite, arithmétique, et à l'origine, c'est beaucoup de rature, beaucoup de souffle, etc. Vous écrivez extrêmement vite, il paraît. C'est un enjeu, bon, c'est une maladie de journalisme aussi, c'est la deadline. Écrire dans l'urgence. Écrire dans l'urgence, ça me permet d'être dans le flux, de ne pas trop réfléchir, parce que si je réfléchis, je deviens idiot, donc je pense la chose. Vous savez, c'est écrit, c'est comme embrasser. Vous ne pouvez pas embrasser et réfléchir. Ça finit pas bien, je veux dire, c'est raté. Donc c'est quelque chose qui... Vous tenez le corps... Et puis il ne faut pas se précipiter. D'accord. Si ? Non, il ne faut pas se précipiter. Non, je ne sais pas. D'accord. Ok, c'est une autre discussion. Ah ben, je vous ai fait sourire. Ben, mais je souris, je ris dans la vie. D'accord. Oui, mais de temps en temps, dans vos textes, oui, mais rarement quand on vous voit votre personnage public, le Kamel Daoud de la télévision, pour le dire vite, il sourit très rarement. C'est vrai que c'est peut-être une posture aussi. On vous pose des questions très sérieuses. Si vous souriez en même temps que vous répondez, vous avez l'air idiot. Donc, c'est pas une posture facile. Mais je suis quelqu'un qui aime la vie. Je n'en possède qu'une seule. Donc, je vais en jouir, mais vraiment, l'épuiser. Je vais mourir avec zéro minute au crédit, je veux dire... J'ai envie de vivre intensément. Et vous vivez intensément, à vous lire, vous vivez intensément. On va continuer à parler de l'histoire, de vivre avec ce poids du passé, avec un grand historien, Patrick Boucheron. Il est professeur au Collège de France, il a dirigé cette somme monumentale, cette histoire mondiale de la France qui a été publiée aux éditions du Seuil. Mais c'est une tradition dans l'émission, Kamel Daoud, Patrick Boucheron, Marion Lay, c'est signé Bruno Donnet. Certains d'entre vous se demandent peut-être qui est Patrick Boucheron. Je suis professeur au Collège de France. Je suis médiéviste. Ma voix sur un sujet d'histoire médiévale, que ça vous intéresse ou non, que ça vous plaise ou pas, vaut un peu plus que la vôtre.
Alors leur répondre qui n'est pas à proprement parler un grand copain d'Alain Finkielkraut est exact, mais c'est aussi un tantinet réducteur. Parce que c'est pas la partie la plus flatteuse. Et surtout, ça ne répond pas du tout à la question qui nous tarabuste ce soir, qui est de savoir quel rapport il y a entre ce brillant historien et Kamel Daoud. Je sais pas répondre à cette question précisément. La réponse est pourtant simple, car l'écrivain et celui qui fut reçu premier à l'agrégation d'histoire ont en partage le regard très particulier qu'ils portent sur l'histoire, qu'ils n'hésitent pas à questionner et à regarder sous un jour très nouveau. C'est comme lorsqu'on regarde un tableau, il faut trouver la bonne distance et il faut trouver le bon angle. Et pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil à leurs plus grands succès respectifs en librairie. À ma gauche, Kamel Daoud a frisé le prix Goncourt avec un titre, Meursault contre-enquête, qui n'est rien d'autre qu'une relecture de L'étranger de Camus. C'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Elle a eu lieu et on en a beaucoup parlé. Dans laquelle l'écrivain a choisi de donner une identité à celui que Camus s'était contenté de désigner comme l'arabe assassiné sur une plage. Prendre une des plus belles, des plus poignantes histoires du XXe siècle et l'inverser du point de vue de la victime, je pense que c'est une idée très simple. À ma droite, Patrick Boucheron, qui caracole en tête du palmarès des ventes, avec un ouvrage qui propose une autre histoire de France. Être historien, c'est peut-être sortir de l'arrogance du présent. Une histoire qui replace notre pays dans un contexte mondialisé. 800, le Charlemagne se fait couronner. Là, on va dire, attention, c'est le premier empereur d'Occident, mais il y en a d'autres autour. Vous l'aurez compris, ne pas se contenter du petit bout de la lorgnette est donc leur marque commune, mais c'est pas tout, puisque ce qui agite aussi nos deux invités est avant tout une volonté farouche de jouer un rôle d'agitateur, un rôle qu'ils distinguent tous les deux de celui de militant. Je suis pas militant, je n'aime pas ce mot, je suis quelqu'un qui se défend. Cette démarche, elle est politique, mais elle n'est pas militante. Le hic, c'est que leurs travaux, mais aussi leurs idées, ne font pas tout à fait l'unanimité et n'amusent pas tout le monde. Je dis à ce bonhomme, Kamel Daoud, porte plainte contre moi plutôt en Israël. Kamel Daoud en a récolté une fatwa des islamistes et Patrick Boucheron une bronca provenant de la frange la plus conservatrice des intellectuels de notre pays qui n'ont pas trop goûté sa volonté d'en finir avec ce satané roman national. Les rédacteurs de l'histoire mondiale de la France sont les fossoyeurs du grand héritage français. Qu'importe, car l'écrivain et l'historien ont encore le culte de l'identité en horreur. Je n'aime pas ce mot, le mot d'identité, parce que vraiment pour moi c'est le contraire du mot altérité. Si ce n'était que ça l'histoire, mais elle ne vaudrait pas une minute de notre temps. Ils ont, paraît-il, beaucoup ri en entendant ceci il y a quelques mois. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. C'est évidemment grotesque dit ainsi. Oui, et ça, c'est quand même, ça nous fait ricaner de l'autre côté. Et voilà donc pourquoi nous est venue l'idée de les faire dialoguer. C'est très bien. Bonjour Patrick Boucheron. Bonjour. Et bienvenue, historien, professeur au Collège de France. Vous avez dirigé cette histoire mondiale de la France aux éditions du Seuil. Un historien est forcément chez lui, ici, aux Archives nationales. Ben oui, parce que l'historien, c'est un métier. C'est une profession. Donc c'est toujours utile d'ailleurs de le rappeler. Oui, parce que moi je pensais que c'était une opinion. On a tous une opinion sur l'histoire. On a tous une opinion sur l'histoire, comme sur le football, etc. Mais évidemment, l'histoire c'est une méthode, elle a ses lieux. Il y a des lieux d'histoire. Et ce n'est pas seulement des lieux impressionnants ou intimidants, ça peut être des lieux de travail, comme ici. Les archives, ça se travaille. Moi, j'ai voulu réunir un historien et un écrivain qui a une conscience aiguë de l'histoire pour répondre à une question assez simple. Au fond, que faire du passé? Parce que dans vos indépendances, Kamel Daoud, on a l'impression que l'une de vos grandes conquêtes, c'est d'essayer de vous libérer du poids du passé. Oui, quand le passé est un récit de propagande, un instrument d'autoritarisme et d'exclusion de la vérité, oui, j'ai envie de m'en débarrasser. Il faut imaginer un petit peu le cas algérien où un historien est obligé de faire de l'histoire sous Louis XIV vivant. Donc, est-ce que le métier est possible? Et quelle histoire nous allons subir? Donc, c'est quelque chose qui m'a étouffé dans ma vie. Donc, l'histoire, ce n'est pas quelque chose... Ça vous a étouffé au point de vouloir devenir amnésique? Oui, pas amnésique, mais quelqu'un qui est fasciné par le présent. Restituer le présent en Algérie, c'est quelque chose, c'est un enjeu fondamental pour le moment. On a trop d'histoire, vraiment trop. Patrick Boucheron. Mais oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. D'abord, je suis très heureux de parler avec vous justement sur cette question-là, et j'en suis très fier, très honoré, je peux le dire, parce que les historiens, comme les citoyens, s'intéressent à l'aujourd'hui. Ils ne s'intéressent qu'à ça. Sauf que notre temps, c'est du passé accumulé.
et qu'être historien, c'est aller chercher dans notre présent la couche la plus ancienne, en fait, comme un archéologue, mais pour justement que ça ne nous embarrasse plus. Un livre comme celui-là, l'histoire mondiale de la France, est destiné à éclairer notre présent ? Oui. Oui ? Oui, et c'est pour cela que, d'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait appeler une histoire générale de la France, qui ne se ramène pas au crible national, qui débouche sur notre présent immédiat, brûlant, inquiétant. 2015 est le dernier, la dernière chronique, parce qu'au fond, c'est comme le livre de Kamel Daoud. Hein, ce sont des chroniques. C'est-à-dire, au fond, ce sont des intrigues, ce sont des choses vues. Oui, en même temps, j'ai commencé à lire l'histoire mondiale de la France, ce qui m'avait bouleversé, parce que c'est un livre délicieux. C'est-à-dire, c'est de l'histoire revisitée par le désir. En même temps, je suis d'accord avec M. Boucheron quand il dit, il rappelle indirectement cette très belle phrase de Borges qui disait que tout présent est anachronique. C'est analyser cet anachronisme. Tout présent est anachronique. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas absolument coïncider avec le présent. Nous le regardons, nous le lisons, nous le subissons à travers un passé, à travers une conception de l'histoire, une vision de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a toujours anachronisme par rapport au présent. Parce que nous devons être contemporains. Et c'est un travail d'être contemporain, de part et d'autre, de la Méditerranée, avec le monde. Et même dans notre pays, sommes-nous si certains de vivre ensemble le même temps ? Pour être contemporain, oui. Il faut, au fond, œuvrer à ne pas se laisser aveugler par l'arrogance du présent. Et c'est là où l'histoire peut avoir sa chance. Mais on vous a accusé. En tant qu'elle est un art du récit. Quand je dis « on », je cite Alain Finkielkraut qui a dit que cette histoire mondiale de la France, c'était l'ouvrage de fossoyeur du grand héritage français. Je pourrais citer d'autres critiques, mais comme si on vous reprochait cette ouverture à l'altérité, cette ouverture à l'autre. Ce n'est qu'un livre. On a voulu faire un livre. Enfin, il y a un moment où il faut quand même prendre les choses avec un peu de gravité et de sérieux. Le débat intellectuel ne consiste pas, me semble-t-il, à ramener les réactionnaires à des beaux principes, mais à la réalité. Oui. La réalité d'un pays, c'est celle-là. On vit ainsi. Que ça plaise ou non, on vit ainsi. Ce que nous avons voulu faire avec cette histoire mondiale de la France, c'est sortir de cette période d'exaspération où, au fond, on jouait l'histoire de France contre l'histoire du monde. Comme si on s'intéressait à autre chose que la France, c'est parce qu'on l'aimait pas assez. Mais moi, c'est fou. Moi, dans le civil, je suis spécialiste des villes italiennes. J'ai travaillé là-dessus. J'ai bien le droit. Et pas contemporaine. Non, en plus. Du Moyen Âge. Bon, on peut aussi aller vers des objets qui nous intéressent et on n'est pas mu par de sombres dessins pour être, je ne sais quel fossoyeur de son propre pays. Oui, c'est ça ce que je trouve aussi fascinant dans le débat, qu'il soit politique en France, ou éditorial, ou idéologique, ou de propagande. Parce que j'ai l'impression que vous êtes fasciné par deux grands piliers, par deux grandes constantes. C'est l'histoire et l'altérité. Et dans cet ouvrage-là, j'ai l'impression que vous arrivez à concilier les deux, ou mener les deux en même temps. Et ce que j'ai aimé dans votre ouvrage, c'est justement ça. On peut parler de l'altérité par l'histoire, ou on peut parler de l'histoire comme une histoire de l'altérité aussi. Chez Kamel Daoud, il y a une alternative que je trouve fascinante dans l'une de ses chroniques, c'est manger les ancêtres ou les enfants. Ou ses enfants. Oui. Et vous dites d'ailleurs qu'il y a une question toute simple. Est-ce qu'il faut restaurer le passé ou construire l'avenir ? Est-ce qu'il faut célébrer le cimetière, on en parlait tout à l'heure, ou l'accouchement ? Les racines ou les récoltes. Oui. Parce que je disais souvent en Algérie que les racines, c'est très beau, mais ça ne se mange pas. Parce que nous avons en Algérie et dans le monde dit arabe un rapport au temps qui est quand même fascinant. C'est un rapport qui veut tuer le temps, l'immobiliser et surtout le remonter. Remonter vers le temps zéro, c'est-à-dire avant la blessure de narcissique par l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fréquente les ancêtres. On a un culte des ancêtres et on a un trouble du rapport filial, nos enfants. Vraiment, je trouve, par exemple, moi je suis fasciné par les fables bibliques, quand je trouve cet épisode d'Abraham qui veut égorger son fils, vraiment comme étant le nœud de notre comportement vis-à-vis du futur. On sauve le mouton, c'est-à-dire la docilité, on égorge le fils. Et ça, c'est assez fascinant. Et ce rapport, ce culte des ancêtres me gêne. Moi, ce dont je rêve, en Algérie et ailleurs, c'est de libérer l'histoire pour qu'elle soit une histoire. Il y a une de vos premières chroniques, je crois, c'est en 2010, c'est la
La visite en Algérie de celui que vous appelez un homme politique du passé, je ne sais pas si on a le droit de dire son nom en campagne électorale, c'était Jean-Pierre Chevènement, et vous écrivez quelque chose comme, je vous cite de mémoire, pardon, pendant, pour toute cette génération, il y avait la France, l'Algérie et le monde. Et il faudrait sortir de ce vis-à-vis colonial, oui, de ce face-à-face obsédant, et une des manières de sortir justement de ce qui nous obsède, des tenailles de la mémoire, c'est faire une histoire mondiale. Là, c'est un pan de l'histoire, c'est-à-dire la géographie. C'est comment on se représente le reste du monde. Par exemple, les Algériens, pour eux, l'Occident, c'est à peu près la France. On voit l'Occident à travers le trauma, oui, colonial, à travers l'histoire de la France et vice-versa. Moi, on me pose des questions sur les banlieues françaises, alors que moi, je suis Algérien qui vit à Oran. Donc, on voit aussi l'Algérien de l'autre côté comme étant un délégué, un expert S-banlieue ou quelqu'un qui doit parler en même temps de l'histoire aussi. Dès que moi, je prends la parole en France en parlant de colonialisme, on me somme d'avoir une attitude. C'est-à-dire de demander qu'est-ce que vous pensez des excuses ou du crime contre l'humanité, etc. Je peux, oui, ne pas être militant. Je peux ne pas être dans une posture de revendication. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin d'excuses de la France ou pas? Personnellement, non. Non. Donc, tout simplement. Et d'ailleurs, Patrick Boucheron, on n'en présente pas quand on est historien. Non. C'est pas le boulot de l'historien. Non. Voilà. Et tenir à son trauma, c'est vraiment une formule que je retiendrai. Voilà. Il y a ceux qui y tiennent et ceux qui n'y tiennent pas plus que cela. On découvre des tas de choses en lisant l'histoire mondiale de la France, que ce soit la gerboise bleue et les tests de bombes nucléaires français dans le désert algérien. On découvre des histoires de quartiers algériens français à Jérusalem. Comment est-ce que vous avez fait le choix de ces dates de chronique ? Ben, justement, en étant fidèle au rendez-vous, 1958 y est. Oui. Mais on va le dénationaliser, si j'ose dire. On n'en fait pas simplement une lecture, je dirais, strictement française et institutionnelle. On montre comment, effectivement, le coup d'État de De Gaulle est en fait mu par, justement, une situation algérienne, où le FLN a décidé d'internationaliser la guerre. Il y a des rendez-vous, on est fidèle aux rendez-vous, mais parfois, on les décale. Immense succès de ce livre, totalement inattendu. Oui. Dans le registre des sciences humaines, ça n'existe pas. Bah non, parce que c'est quand même un livre collectif, d'universitaire, sérieux, c'est-à-dire, oui, toutes les raisons pour ne pas s'y intéresser. Comment on s'y est intéressé? Ce succès inattendu? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il faudra en faire l'histoire. Oh, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais dans un moment qui est un moment dont on sent bien que c'est un point de bascule. Et l'issue est incertaine. Kamel Daoud ? Ça me fascine, parce que j'ai l'impression que la seule figure de dissident possible chez vous maintenant, c'est l'historien. Autant penser, chez nous, penser le religieux, ça vous pousse à la dissidence. Autant chez vous, le culte de l'histoire, la seule figure de dissident, c'est vous, peut-être. Je ne sais pas s'il y a un culte de l'histoire. J'ai l'impression que ça fait partie du... pathologie de l'histoire, ouais, en tout cas. Enfin, si on prend, justement, disons, de manière un peu froide et distante, la campagne électorale, on voit qu'il y a un moment, chaque candidat doit y aller, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, il se souvient qu'on est en France, qu'il faut dire quelque chose sur le récit national, même s'il n'est pas très inspiré, il fait le job, et au fond, c'est dans le répertoire. Ouais. Et dans le livre de Kamel Daoud, ce qui est rigoureusement dénoncé, c'est la capacité, effectivement, à construire un roman national. Sauf qu'on comprend effectivement qu'en Algérie, il est robuste et on y tienne parce qu'une bonne partie, comme vous le montrez, du régime tient grâce à lui. Mais en France, oui, s'accrocher encore à l'idée très erronée et très lointaine qu'on se fait de la Troisième République aujourd'hui, enfin c'est quand même très étonnant. – Oui, c'est très étrange. Je souscris. Vous écrivez en ce moment, Kamel Daoud ? Oui, je suis en train d'écrire. Je peux vous demander sur quoi ? Un roman. Oui, un roman. Mais généralement, quand on me pose la question, je fais toujours digression et je dis que je réécris Le vieil homme et la mer vu par le poisson. C'est pas mal. Et vous, vous écrivez Non, je suis Les croisades vues par les Arabes ? Ah, ça a été déjà fait. Ça, c'est vrai, par... Oui, j'écris, mais je vais revenir à des sujets d'histoire médiévale plus calmes. Ce n'est pas pour cesser d'agir.
C'est-à-dire, je pense que l'histoire, c'est un appel au calme. Ça doit être un appel au calme. On peut continuer à appeler au calme. On continue à vous menacer, Dakar El Daoud, ou ça s'apaise ? Comme moi, personnellement, je pense qu'on menace tout le monde. Le touriste, le passant, celui qui n'a rien fait, celui qui n'a rien dit, celui qui n'a rien écrit. Je veux dire, j'aime pas cette mise en avant de ma propre personne. Je suis fasciné par votre formule, l'histoire comme appel au calme. Franchement, j'ai... Oui, c'est très déroutant. Parce que... ça peut être même une guérison pour moi, je veux dire. Ouais. Oui. Une histoire calme. Écoutez, ce serait assez formidable si au moins cette rencontre pouvait servir d'une certaine manière de thérapie. Vous réconcilier avec l'histoire, par exemple. Oui, avoir un rapport de bon voisinage, c'est-à-dire entre le passé et le présent, et le droit au futur pour tous les deux. Ça me paraît très raisonnable, en effet. Merci vraiment à tous les deux. Vous allez repartir avec ça, vous allez avoir un excédent de bagages dans l'avion quand vous allez revenir en Algérie. Merci infiniment, Kamel Daoud. Mes Indépendances, c'est publié chez Actes Sud, vos chroniques 2010-2016. Et quant à vous, Patrick Boucheron, vous avez dirigé donc cette histoire mondiale de la France aux éditions du Seuil. Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est terminé. Émission à revoir en replay, évidemment, sur le site internet de France 3. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très belle nuit à tous.